Plantes, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec un unboxing Shein. Unboxing parce que tout est encore fermé. Là, c'est ma collaboration habituelle, mais pour cette fois-ci, j'ai décidé de partir dans une sélection d'articles maison. Ça change un peu. Et puis, pour être tout à fait honnête, j'avais quelques besoins, donc je me suis dit autant profiter de cette collaboration pour faire une sélection utile et, selon moi, intelligente. Et surtout cohérente, tu sais que j'y tiens. Point toujours aussi redondant, mais point transparence, j'ai reçu ces articles gratuitement de la part du site Shein. Je ne suis absolument pas rémunérée pour vous faire part de ces articles et les liens de tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo ne sont absolument pas affiliés. Il s'avère qu'une fois encore, je n'ai pas à ma disposition de code promo. Ceci étant dit, je vais aller prendre contact avec mon interlocutrice pour lui demander si c'est une omission ou si il n'y a plus de code promo disponible. Si jamais j'en ai un, il sera ici ou en barre d'infos selon comment ça se dégoupille cette histoire. Maintenant, place à cet unboxing puisque devant moi, j'ai un énorme carton et à côté, j'ai un sachet comme ça qui pèse son poids. Donc, on a un tout petit peu de boulot. Enfin, surtout moi parce que vous, pépouze, café... Et on regarde. Je vais commencer, j'ai ouvert le sachet en premier, donc j'ai pris cet article. Là, je vous avoue que même si je me rappelle de ce que j'ai sélectionné, ça y est, je vois ce que c'est. Il s'agit d'une housse de canapé. Tout ce que j'ai commandé, vous le verrez après la présentation, comme ça, l'unboxing, vous verrez l'article mis en situation. Parce que c'est vrai que là, je vais vous faire un unboxing, mais vous le montrer comme ça, ça vous en donne pas. Je vais y arriver, ne désespérez pas. Bon, déjà, la matière, elle est plutôt cool parce que c'est quand même sur le canapé. C'est là où, entre autres, je vais poser mon séant. Alors, écoutez, c'est pour ça que je vous dis, vous montrez ça comme ça, qu'est-ce que ça vous donne ? Alors, au niveau de la matière, on est sur une matière qui est au toucher très très douce, qui, si je me projette, peut rendre l'assise agréable. Tous les rubbers sont élastiqués, on a un système d'attache comme ça si besoin est. Si vous voulez, la complexité de mon canapé, c'est qu'on n'a pas de vrai dossier. C'est d'énormes coussins, et donc à voir ce que ça peut donner dans une housse qui doit... complètement en fait envelopper le canapé. J'ai même avec une housse de coussin, il y en a peut-être deux, mais comme là c'est en joyeux bazar, il y en a peut-être deux, mais il y a une housse de coussin avec une fermeture. Écoutez, pourquoi pas à l'occasion. Quoi qu'il en soit, la magie du montage fait que de suite vous avez la mise en situation. Avant d'installer la housse de canapé, je voulais te montrer comme ça, Anne-moi, tout est déhoussable, que je peux laver, tout passe en machine, mais il est jamais comme ça, il est jamais à nu comme ça, il y a toujours un plaid. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'autant sur les accoudoirs et sur les dossiers, bah c'est pas rigide. Bon, mes petits cadets, ça fait une bonne demi-heure que j'y suis, je capitule. Je capitule parce que vous voyez ce que j'appelle les zigouigouis là. C'est censé, là vous voyez un aperçu, je suis censé en fait bloquer la housse, sachant que la housse, je l'ai accrochée, il y a des ficelles pour accrocher par le dessous du canapé. Et ensuite, t'es censé faire la mise en forme avec ces petites choses-là. Sauf que le problème, c'est qu'une fois que j'installe au niveau du dossier, et c'est pas clean parce que c'est apparent, je peux plus du tout faire ici parce que bah tout saute. Je pense effectivement que quand tu n'as pas ce côté moelleux comme ça du canapé, je pense qu'effectivement ça doit être plus simple pour enfiler telle une chaussette. Là c'est une angoisse. Donc je capitule, sachant que ça va pas être perdu hein, parce que je vais te transformer ça en plaid pour mettre sur l'assise parce qu'il n'est pas question de foutre ça en l'air, d'autant que la matière j'aime beaucoup. C'est dommage parce que de suite ça t'apporte quand même un côté assez propre esthétiquement, ça fait clean, mais bon faut pas regarder au dessus hein. J'ai tout essayé, tiré, retiré, étiré, enfin j'ai tout essayé, là j'avoue que je suis au bout des possibilités. Bon, et bien comme vous pouvez le constater, ça y est, j'ai muté en plaid. Bah ça évite de gâcher, de gaspiller, de laisser ça au fond d'un placard. Et puis, bah, je pense que pour ma part, je vais abandonner ce genre de housse pour tant que je reste canapé là. Pour info, j'ai mon petit coussin que je mets pour appuyer comme ça sur l'accoudoir quand je suis assise, et il va très bien. C'est un coussin extra plat, mais tout moelleux. Il va très bien. Donc, j'ai au moins aussi pas perdu la housse de coussin. Bon,
c'est une déception, mais c'est pas de l'article qui va finir à moisir dans un placard. C'est déjà, c'est la petite consolation. Deuxième article empaqueté de la sorte. Est-ce que ce serait pas un service à thé ? Sur le dessus, j'ai un plateau. Petit plateau en bois comme ça, que je trouve au demeurant très 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 beau. Et ensuite, effectivement, nous avons le service à thé qui est composé d'une théière. Oh, je trouve ça trop beau. Donc la théière, elle donne ça. Je la trouve vraiment trop trop belle. Ça fait hyper authentique. Et sur le dessus, vous avez donc le filtre à infuser ici. Hop, voilà, pour mettre préparé. Et là, le réceptacle pour mettre son eau chaude. J'avoue que tant par la couleur que par l'esthétisme de l'objet, je suis très très fan. Je vais juste essayer de ne rien casser. Je suis très très fan de mon choix. J'adore parce que je vais refaire complètement mon coin café. Mais ça, vous le verrez quand vous verrez ce service mis en situation. Je le trouve très beau. Écoutez, je le trouve esthétiquement très sobre et en même temps ça fait un peu le côté tradi. Je le trouve plutôt qualitatif en termes de poids, je le trouve visuellement qualitatif, donc je suis très 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 contente de ce choix. Là, ce qui est étrange, c'est que j'ai deux cartons. J'ai pas le souvenir d'avoir commandé j'ai deux cartons en fait, même au niveau de l'étiquette, complètement similaires. Donc est-ce que il y a une erreur au niveau de la sélection? Est-ce que celle qui s'occupe de moi a commandé en deux fois? Je sais exactement ce que c'est. C'est en fait, là vous avez l'adaptateur. Vous savez qu'on fixe au bureau. Il s'agit d'une lampe de bureau, puisque même si, je ne sais pas si vous aurez vu ou pas au moment où vous verrez cette vidéo, mais je suis en train de me confectionner un plan de travail dans ma chambre, un poste de travail. Et donc il y a un bureau, je vais avoir besoin de lampe de bureau, et donc je me suis dit je vais anticiper. Donc c'est une lampe de bureau, tout ce qu'il y a de plus lampe de bureau, sauf qu'à la différence près, c'est qu'elle est armée d'un bras articulé. Et ça comme dirait l'autre, j'achète. Il s'agit d'insérer le bras articulé dans le support pour pouvoir le visser au bureau. Et donc c'est pas une lampe à poser, hein. C'est vraiment une lampe qui est fixée au bureau. Et le fait qu'elle soit fixée comme ça à la table, bah, ça te prend pas la place d'une lampe à poser. Mais après, c'est une question de choix personnel. Par contre, j'ai un gros doute parce qu'étant donné qu'on est vraiment sur le même carton, est-ce qu'il n'y a pas eu effectivement? Il y a eu un petit souci, je pense, au niveau du passage de la commande de ma sélection au niveau de la personne qui s'occupe de moi, puisque j'ai reçu cette lampe en double. Enfin, la lampe de bureau, donc complètement articulée, puisque montée sur un bras articulé, très pratique. L'éclairage est plutôt soft, vous avez pu voir ce que ça donne dans ma vidéo sur mon bureau. Très très bien, tout se manipule, tout ça bouge. Vous pouvez la mettre comme vous voulez. Bon, bah, j'en ai une deuxième sur les bras, mais je me dis, je vais la remiser, sait-on jamais. Voilà. Ça peut me lâcher, au moins j'en aurai une sous le coude. Ici, je sais ce que c'est. C'est un tapis. Un tapis de sol gris. Je ne vous cache pas que je suis plutôt déçue par la qualité de ce tapis. Je le voyais par rapport à la photo que vous verrez, puisque je vais vous mettre les incrustations photo et prix. Je le voyais plus épais, beaucoup plus épais. Là, si je te montre une tranche du tapis, c'est très pauvre côté qualité. Je ne le voyais pas du tout, mais alors pas du tout comme ça. Là, c'est une déception. Le tapis n'est pas du tout qualitatif. Il fait très cheap et en plus on a des démarcations, je trouve très peu fournies au niveau du... Alors comme ça c'est peut-être pas flagrant au niveau de la caméra, mais je le trouve très très peu fourni au niveau de la matière sur le dessus. Donc ça pour moi c'est une déception. En plus j'avais l'impression de l'avoir pris vraiment plus grand.
Voilà, il est tout fripé, tout. Non, là pour moi ça c'est de la déception mise quand même en situation. Je profite du beau temps pour j'ai nettoyé le tapis. Passage en machine au programme laine. J'ai coupé l'essorage, mais la qualité elle est vraiment pas belle. Hein. On a vraiment une fausse fourrure qui est totalement clairsemée. Je vais essayer de brosser un petit peu quand ce sera sec, mais la qualité, elle est pas géniale. Hein. Vraiment, elle est même assez exécrable. Bon, écoutez, j'ai coiffé un peu le tapis. On a quelque chose d'un peu plus correct. Après, il n'en reste pas moins que... Ouais, c'est plus correct visuellement. Mais bon, la qualité, c'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il est hyper léger. Donc, il a tendance à remonter ici. Ça fait illusion, mais ça se contente juste de faire illusion, en fait. Hein. Voilà. Je suis pas très sûre. Je reste sur le fait que la qualité, ce soit pas ça. Même si là, visuellement, le fait de l'avoir lavé et brossé, ça donne un peu d'épaisseur. Mais il n'en reste pas moins que la qualité n'est pas au rendez-vous, selon moi. Ça fait illusion, mais c'est tout. Pour la sélection suivante, ce sont deux articles que j'ai commandés séparément. Tout n'est pas en fait un ensemble, mais moi, la façon dont je vais m'en servir, ça va être un ensemble. À commencer par ce drap housse rose et cet ensemble housse de couette. Je vais l'enlever pour que vous puissiez voir quand même mieux les détails. Cet ensemble housse de couette et thé d'oreiller. Ce sont vraiment deux articles commandés séparément. Et puis c'est surtout que je trouvais ça intéressant d'une part parce que j'ai réussi à trouver du 100% coton. Je ne peux pas dormir dans de la literie, du linge de lit qui ne soit pas 100% coton. Sinon la nuit est très compliquée au niveau des jambes et mon impatience des jambes sans repos, ça part dans tous les sens. On sent de suite qu'on est sur du coton. Alors... Ah, c'est bizarre la forme de la tête d'oreiller, c'est du rectangulaire. Sachant que oui, j'ai mon mémoire de forme qui est rectangulaire, donc ça va le faire. Donc nous avons un côté qui est fleuri comme ça. Je vous le dis tout net, moi j'aime beaucoup. Et un côté à poids comme ça. Deuxième tête d'oreiller, même motif, même combat sur l'endroit et l'envers. Et la housse de couette, bah, je suppose que ça doit être la même chose au niveau des motifs. Ce qui est bien, c'est que je peux choisir si un jour je veux mettre le poids. Bah, je mets le motif poids, exactement. On a un côté motif poids comme ça dans les tons rose saumonné, je dirais. Et l'autre côté sur des motifs floraux comme ça. Moi, pour ma part, j'ai choisi du 200x200 parce que ma couette, c'est du 200x200. Mais après, il y a un vrai... Il y a un très large panel en termes de taille. Et le drap housse, lui aussi 100% coton et ça se sent direct... Un drap housse rose comme ça. Ça va partir au lavage. Et puis, vous le verrez. Bon, bah, la mise en situation. Mise en situation, quoi. Mise en situation de lit. Ouais, va être pas mal là-dessus. Bon, mon petit cadet, voici une bien drôle de prise. Au niveau du lit, RAS, très bien. Pas de jambes qui partent en galets jaunes. À cause du tissu 100% coton. Le truc qui me semblait important de vous signaler, c'est que c'est pas une boutonnière ou quoi aux caisses. En bas, c'est carrément un zip, une fermeture éclair. Et ça, je trouve ça chouette parce que ça bouge pas. Tu sais, mon petit cadet, quand t'entends ça et tu sais qu'hypothétiquement dans ta commande, il y a de la vaisselle, ça sent pas bon. Et pourtant, je comprends pas parce que le carton, il est hyper protégé. Donc là, s'il y a eu un problème, c'est dans la logistique elle-même, au niveau de la livraison. Parce que je ne peux pas reprocher ce que je vous ouvre là, c'est dans le carton, c'est pas dans le sachet plastique. Hein. Ah, peut-être pas. J'ai été mauvaise langue, c'est mon coffee bar. C'est mon coffee bar. Je vous ai dit, j'ai très envie de retaper le coin café. J'ai vraiment un meuble dans ma cuisine qui est dédié au café, au thé, aux infusions. Et j'ai envie d'un souffle nouveau sur ce meuble. J'ai donc commandé ces petites choses, qui s'appellent donc un coffee bar, qui est comme ça, qui est comme ça. Et en fait, le bruit qu'on entend, ce sont les anses. Donc, les deux anses sont ici, et fournies avec le tournevis pour pouvoir monter, ce qui est plutôt très intelligent, et évidemment, les vis. Je vais le monter maintenant. Voilà. Monter
avec les hanches de chaque côté d'une simplicité déconcertante malgré mes mains en crépon. Bien joué au niveau du tournevis parce que bah, c'est quelque chose que je vais garder et que je vais mettre dans la caisse à outs. Ah ça, je suis très très fan. Je suis vraiment très très fan. Vous désirez ? Et là, mes petits cadets, voici le coin café. Avec le coffee bar, donc dedans, j'ai mis les thés. Je rachète pas de thé. En fait, je me suis remise au thé. Mais je finis ce que j'ai là. Je vais pas faire la même que j'ai fait à une époque. J'avais acheté plein de thés d'infusion. Et je me suis retrouvée avec des thés et des infusions qui étaient complètement amères. Parce que même si ça ne se périme pas en tant que tel, c'est au niveau de la saveur que ça joue. Donc bref, j'ai mis les petites choses dont j'ai besoin, des filtres à thé. Là, le café, pareil, avant de racheter du café, je termine ceux que j'ai reçus pendant mon calendrier de l'Avent. Ici, nous avons le fabuleux service à thé que je trouve vraiment très beau, que j'ai mis là, la bouloir derrière, d'autres thés que j'ai mis dans un pot comme ça. Et puis après, on a le côté café, mon service de tasse des attractions Disneyland, ma cafetière italienne Bialetti et ma Dolce Gusto. Voilà pour l'installation de mon espace café. Plus, forcément, vous l'aurez dîné, la tripotée de tasse que je dois vraiment, vraiment réagencer. Voilà pour le point... coin café. Un carton un peu plus gros avec aucune indication. Donc là, ça va être... est-ce que j'ai de l'indication là? Ça me dit que ça casse. Donc ce serait bien peut-être un petit peu de vaisselle. Quand j'entends vaisselle, j'entends service à café. Hop. Voilà. Ça, ça dégage et... Yes. Yes. C'est un service à café qui se présente. On va essayer de rien faire tomber. On va surtout essayer à ce que tu vois correctement. Un service à café un petit peu qui fait style à l'ancienne. C'est un service à café qui est composé donc de 12 pièces, 12 tasses et 12 soucoupes. Vous avez la soucoupe avec de jolis petits détails comme ça en relief. Et donc vous avez la tasse qui est toute délicate avec du relief, un rebord argenté ainsi qu'une finition aussi argentée. Et voilà. C'est pas beau ça, franchement. Je trouve ce service absolument sublime, sachez-le. Alors ça, c'est hyper léger. Le carton est encombrant, mais ce qu'il contient, c'est très léger. Oui, ça y est, quand t'en peux plus, qu'est-ce que c'est? Ah! Je pensais que ce serait plus lourd. Ok, directement, voilà, dans ma déco de salle. Hop, on va y arriver. Un chandelier. Pour mettre sur ma cheminée. Un chandelier 5 pieds. Au niveau du détail, ça fait un peu texture usée, texture vieillie. C'est un chandelier 5 pieds. On a toujours les mêmes détails un peu partout. Et paye ta chandelle. Ça, ça s'appelle, mes petits cadets, tenir la chandelle. Objectivement, j'aurais pu penser qu'il était un peu plus lourd. Maintenant, visuellement, il est exactement comme je l'avais imaginé.
Nous sommes sur l'avant-dernier carton. Alors en amont, je l'ai ouvert, couteau et tout, parce que sinon, on est sur une perte de temps. Je sais exactement ce que c'est, puisque c'était indiqué sur le carton, me semble, ici. C'est un chariot à roulettes en plexiglas, me semble-t-il, totalement transparent. Alors, ça, pareil, hein, ce sera plus parlant mis en situation. Totalement transparent. Et pourquoi ? C'est parce que là, ça n'a aucun intérêt en fait de tout vous sortir. Et que je trouve vraiment, si je suis amenée à refaire des unboxings comme ça pour des articles de maison, en fait, il faut vraiment vous les mettre en situation. Parce que là, je vais te sortir les pièces de plexi et les petits embouts pour fixer. Ça ne va rien vous donner. J'ai commandé ce chariot pour mettre dans ma chambre, au niveau de mon bureau. Et mettre, par exemple, les carnets, agendas, mettre vraiment des articles de bureau dedans à roulette. Comme ça, je peux le déplacer. Je le place à côté de mon bureau. Et je voulais vraiment quelque chose de transparent. Bon, alors écoutez, il ne va pas être question de danser la Macarena avec ça, mais pour l'utilité que moi je vais en faire, je pense que ça conviendra tout à fait. Au niveau du chariot, alors une fois monté, ça donne ça. Il est pas très très grand pour être tout à fait honnête, mais moi je l'ai mis à côté de mon bureau et comme vous pouvez le constater, je l'ai garni de choses dont je vais avoir besoin. Ici j'ai mes feutres Faber-Castell, les surligneurs, du petit matos de bureau, mes carnets, mes crayons de couleur et puis pour ce que c'est faire, je vous dirais pas que d'un point de vue qualité c'est l'extase parce que faut pas trop le malmener, mais en tout cas là pour ce que c'est faire, c'est amplement suffisant. Nous sommes donc sur le dernier article et comme je sais quand même la sélection que j'ai effectuée, je sais que c'est la guirlande solaire. Donc que je vais mettre dehors, très logiquement, c'est une guirlande ampoule. Mais sur une partie de ma tente des festivités, mettre une guirlande comme ça, tout en ampoule, je trouvais que ça pouvait faire sympathique. Nous avons dedans une télécommande, puisque c'est une guirlande qui possède sa télécommande, et ça, je trouve ça très astucieux, avec les embouts pour pouvoir le planter au sol et fixer la base de recharge solaire. Ça me tarde, alors c'est pas évident parce que c'est-à-dire qu'il tombe des cordes ici au moment où je vous parle, il tombe des cordes dehors, mais je vais quand même essayer de vous faire une mise en situation pour que vous voyez d'un point de vue luminosité, on a le cordon, on a des chevilles, des vis avec des chevilles et tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir installer ça. Me tarde de faire la mise en situation parce que ça je suis... Les lampiotes là, dehors, les lampiotes de partout, moi j'adore ça. Ça peut clignoter, c'est ça qu'on est en train de me dire? Ça c'est quoi? Allez, c'est la fête, fiesta party dans le jardin, c'est la fête, l'attente des festivités, c'est la fête. Oh, ça va me plaire ça, ça va me plaire. Mes voisins, peut-être un peu moins, mais je trouve que ça éclaire pas mal hein, l'histoire. Il y a plusieurs sortes. Allez. L'ampoulade, allez. Ah oui, on a vraiment plusieurs... Là, c'est quoi? C'est éteint? Non, ça fait... nous avons du dégradé sauvage d'ampoule. La fiesta. Je profite quand même d'un peu de soleil, d'une part pour installer la guirlande solaire, primo, et pour pouvoir filmer. Donc j'ai installé cette guirlande solaire de cette façon, étant donné qu'elle ne fait pas, en termes de longueur, elle ne fait pas tout le tour de la tente des festivités. Et je vous montre ce soir ce que ça donne. On a de la chance, on est dimanche aujourd'hui pour info, pour vous situer, dimanche 2 juin. Et on a, écoutez, on a un petit peu de soleil, ça fait plaisir parce que bon, puis c'est bien, c'est que ça va recharger. Et au niveau du boîtier de rechargement, ça se clipse. Et j'ai mis ça dans la terre tout simplement. Je vais aller faire le test de la guirlande solaire. Comme tu peux le constater, il y a une télécommande fournie. Bon, je filme et pour que ce soit parlant, je vais tester les 8 modes. Bon, alors voilà ce que ça donne. En pleine nuit, avec aucun autre apport lumineux. Alors, il y a différents modes. Hein. Hop, là c'est discothèque. Là, on est sur quelque chose de plus doux, mais plus chiant, parce que ça te fout dans le noir. On peut aussi régler... Il y a aussi un timer. Alors là, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ils nous disent que c'est un réglage de luminosité. Moi, j'ai plutôt
l'impression que ça met en mode aléatoire. Et comme j'ai pas très bien tout compris de la notice, bah c'est pas évident. Oui, là, il est énervé. Hein. Alors écoutez, bon, en pleine nuit comme ça, on peut pas faire autrement que d'allumer un bel appoint quand même lumineux. Sinon, c'est monsieur sympathique, ça mange pas de pain, ça décore, écoutez. Ma conclusion concernant cet unboxing de ces articles maison du site Shein, je suis absolument ravie. Cependant, j'ai un bémol, un gros bémol, une déception, c'est le tapis. Je l'imaginais plus fourni, plus moelleux, bref, je l'imaginais plus. Et là, il s'avère quand même qu'on est sur un moins, mais d'une force. Est-ce que j'ai un coup de cœur dans cette commande? Le service à thé? Le service à café? Les ampoules. Non, je suis absolument ravie de cette sélection. Là, au moment où je vous parle, je n'ai pas encore fait la mise en situation, puisque je vous l'ai dit, il faut quand même laver et sécher les articles. Mais je vous ferai vite fait une petite prise après mise en situation pour confirmer ou pas le fait que je suis très fan de cette sélection. Mais là, dans un premier jet sur l'unboxing, je suis grave contente de ce que j'ai reçu. Je vous avais dit que je ferais une dernière apparition afin de vous faire un point, une conclusion finale sur cette sélection spéciale maison reçue de la part de Shein. Globalement, je suis un peu moins emballée que durant l'unboxing, la découverte, parce que effectivement, certaines choses, une fois lavées, une fois montées, bon, on se rend compte que qualitativement, c'est peut-être pas ce à quoi on s'attendait. J'en prends, alors les draps, la parure drap, housse de couette et d'oreiller, très très bien, rien à dire. Le chariot, c'est vrai qu'il faut vraiment y aller avec parcimonie parce que il est vraiment vraiment tout fragile et j'ai même peur de trop manipuler. Quand je prends quelque chose, je fais très attention parce que j'ai peur de le casser tout simplement. Le tapis, n'en parlons pas, je l'ai pas laissé au sol comme vous avez pu voir dans les captures écran parce que ça bouge tout le temps, il est tellement léger qu'il tient pas en place. Il y a aucune adhérence entre mon carrelage et le tapis et c'est pas possible en fait. Ça, c'est un énorme flop. La lampe de bureau, c'est parfait, rien à dire. Le service à thé, service à café, impeccable. Voire même le service à thé et à café au demeurant sont des coups de cœur. Pour la guirlande solaire, j'ai trouvé un éclairage fixe parce que je le trouvais pas quand j'ai fait la démo. C'est sur le bouton 8 en fait, il y a un éclairage fixe. Alors c'est une guirlande solaire avec un éclairage très tamisé. Faut pas s'attendre, faut vraiment avoir, comme je vous le disais, faut vraiment avoir un appoint supplémentaire. Par exemple, ça ne suffira pas en soirée pour quelqu'un qui veut lire sur sa terrasse. C'est pas possible. C'est de la pure déco. Après, c'est peut-être ce à quoi on s'attend aussi pour ce type de guirlande solaire. Le chandelier, comme vous avez pu le constater, je l'ai repeint, je l'ai bombé en blanc mat. Et je trouve que ça fait très très chouette sur mon manteau de cheminée. J'adore. On est presque au complet sur le manteau de cheminée. Par contre, quand j'ai filmé la mise en situation, c'était des bougies noires. Mais comme j'avais des bougies noires, j'avais un stock, j'épure. Mais ce sera bien évidemment des bougies blanches qui seront mises sur ce chandelier. Écoutez, en conclusion, je suis plutôt satisfaite parce qu'il y a de très beaux articles. Il y a une vraie déception pour le tapis, vous l'avez bien compris, je suppose. Et puis, il y a d'autres articles où je suis un peu plus mitigée. Je trouve en tout cas que ce qui concerne la catégorie homme chez Shein, il y a vraiment pour moi à prendre et à laisser. Alors, se fier aux avis, peut-être oui, mais moi pour le tapis, les avis étaient très bons. Sauf que, bon. Après, on a aussi une approche bien à soi de ce qui est qualitatif ou pas. Moi, pour moi, c'est pas possible. Voilà, bah écoutez, me reste à vous dire, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Des bisous et à vendredi.